Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo mode et plus particulièrement une vidéo AliExpress. Je suis allée pour la première fois de ma vie faire un tour sur ce site. J'ai acheté plein de choses. Je n'ai aucune collab, aucun partenariat. J'ai tout acheté avec mon argent et je vous montre tout de suite les pépites que j'ai trouvées. C'est très varié. Il y a des tenues de sport, des maillots de bain, des robes, enfin vraiment plein de choses. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, je partage un look par jour minimum, toutes mes trouvailles beauté, je teste beaucoup de choses en cosmétique, en médecine esthétique, voilà, je teste un maximum de choses. Je vous partage aussi des lifestyles, de la cuisine, plein de choses et surtout j'échange beaucoup avec vous au quotidien, donc n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram, Karine Granval. Alors, première pépite dont j'avais envie de vous parler, il s'agit des tenues de sport. Alors, souvent les tenues de sport sont assez chères quand elles sont de belle qualité. Et là, j'ai trouvé vraiment quelque chose de génial. Je vous montre la matière de près. Vous voyez, c'est côtelé extensible. Il y a des renforts au niveau de la poitrine. Donc, quand on saute, quand on court, ça ne bouge absolument pas. Et c'est avec un legging. Moi, j'aime bien voilà, avoir un legging pour le bas. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà la tenue complète et je trouve que c'est hyper joli. Moi, j'ai pris du gris. Je vous mets tous les liens dans la description en dessous. Mais voilà, j'aime beaucoup cette tenue. Elle est très galbante, très gainante, sans être désagréable parce que ça reste très élastique. Donc en fait, on se sent super bien dedans. Moi, ça m'arrive de la porter même sans faire de sport. Et voilà le rendu de cette tenue. Je crois que je l'ai payée dans les 12 ou 13 euros, si mes souvenirs sont bons. Donc franchement, pour un ensemble, ça vaut vraiment le coup. Et moi, il m'arrive même de la porter comme ça avec un blazer pour sortir, pour aller faire des courses. Je trouve que c'est super joli. J'aime bien l'association de tenues de sport avec des choses plus habillées. Je trouve que ça rend très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Deuxième tenue de sport sur laquelle j'ai craqué chez AliExpress, celle-ci est vraiment canon. Alors elle n'a pas les manches courtes, elle a des manches longues, donc il vaudra mieux mettre un soutien-gorge si vous faites du sport qui maintient bien la poitrine. Elle est dans ce vert un peu clair, un peu vert amande que j'adore. Et voilà, regardez, il y a des petits détails là pour passer le pouce. Elle est en pareil, en matière un peu côtelée, elle soutient vraiment bien. Et le legging est super agréable à porter, il monte bien haut sans non plus... ni couper la respiration, ni appuyer trop sur le ventre, je vous montre. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment super. D'ailleurs, je le mets beaucoup, même quand je ne fais pas de sport. Et c'est un vrai confort, c'est super agréable, même pour rester à la maison ou pour sortir. C'est vraiment, je trouve, voilà, un très très bon achat. Pareil, il doit être dans les, je ne sais plus si c'est dans les 15 euros, 14 ou 15 euros. Voilà, c'est très rare de trouver des tenues de sport, comme je le disais tout à l'heure, d'une telle qualité à un tel prix et vous avez un choix de couleur qui est dingue et moi vraiment j'adore. Alors là aussi on peut le porter en mode vie de tous les jours en dehors du sport, on rajoute un blazer oversize par dessus. Moi je trouve que c'est vraiment vraiment canon et je vous dis c'est d'un confort absolu. Je suis hyper contente de ces ensembles, vraiment. Et j'adore le porter aussi avec une chemise un peu assortie au basket. Là, j'ai des New Balance blanches et bleu marine. Avec une chemise rayée bleu marine et blanche, je trouve ça hyper joli. On peut même la nouer. Voilà. Alors, ces modèles sont assez similaires aussi bien au niveau des couleurs qu'au niveau des coupes. Au modèle de chez Adanola, qui est la marque préférée de toutes les influenceuses scandinaves, mais qui coûte assez cher quand on commande parce qu'on a les frais de douane à payer. Donc souvent, ça double le prix de nos achats, alors que là, rien du tout. D'ailleurs, si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous faites des achats sur AliExpress, l'idéal, c'est de commander des choses, surtout déjà, qui ne soient pas de la contrefaçon. Vraiment, je vous alerte là-dessus, c'est vraiment un vrai... danger de commander de la contrefaçon, vous risquez des poursuites. Et surtout, moi, je ne commande que des choses qui sont en dessous de 22 euros parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai lu sur plusieurs sites qu'on n'avait pas de frais de douane à payer quand c'était des choses qui coûtaient moins de 22 euros. Donc, voilà. Alors, on passe aux robes maintenant et j'ai deux énormes coups de cœur dans ce que j'ai commandé. Voilà, il s'agit de cette robe, je vais vous la montrer, noire qui est... on en trouve pas mal dans les coloris vert, rouille, ce modèle un peu équivalent dans plein d'autres marques, mais elle coûte beaucoup plus cher. Et voilà, la qualité, je vous montre, c'est très extensible, c'est pas transparent, c'est super agréable à porter. Elle existe aussi, je crois, en version manche courte.
je vous montre. Je la trouve super belle cette robe. Alors pareil, on peut la porter aussi bien avec des talons qu'avec des sandales plates. Je la trouve assez sexy, c'est pour ça que j'aime bien la porter avec des sandales plates, ça casse un peu le côté trop sexy. Là, comme j'ai pas beaucoup de poitrine, je peux me permettre de la laisser ouverte de manière un peu plus décolletée, mais je la trouve vraiment super jolie, très chic. Pareil, j'ai dû la payer 13 € ou 14 €, quelque chose comme ça. Elle existe aussi en version manche courte. Alors, autre robe que je trouve absolument sublime, elle aussi totalement extensible en matière côtelée. Et elle est juste incroyable. Pareil, j'ai dû la payer dans les, je sais pas, une dizaine d'euros. Et regardez la beauté de cette robe. Super agréable à porter. Elle n'est pas transparente, comme vous pouvez voir. Je la trouve très très chic. Et à la fois, on peut aussi la porter avec une paire de baskets. Vraiment, c'est la robe parfaite pour aller avec tout. Si on a envie d'aller bosser, être un peu plus habillée ou sortir le soir avec des chaussures un peu plus, pareil, un peu plus chic, je la trouve magnifique. Bien évidemment, je vais vous mettre tous les liens dans la description de chaque vêtement. Enfin bon, voilà, pour une dizaine d'euros, vous avez une robe, je trouve, qui est très couture et extrêmement agréable. Regardez, on peut se baisser avec. Voilà, elle est top, 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 top. Alors, l'autre grosse tendance de cet été, c'est l'ensemble chemise et short rayé à porter, voilà, sur un débardeur, sur un maillot de bain ou juste fermé sans rien avec un petit blazer par-dessus. La matière est géniale. Elle se froisse très peu, c'est super agréable à porter. C'est vraiment de la très très jolie qualité, je trouve. J'en ai cherché longtemps dans plusieurs magasins et j'ai pas vraiment trouvé ce qui me plaisait. C'est pour ça que j'ai eu envie de tester ça. Je l'ai depuis un petit moment et honnêtement, je les porte beaucoup aussi dépareillées. J'utilise beaucoup la chemise toute seule parce qu'elle est super, un peu oversize et moi j'adore. Alors, gros coup de cœur aussi pour ce top dos nu. Voilà, que je trouve extrêmement joli. Alors bon, j'ai pas beaucoup de poitrine, donc il faut savoir que ça baille un petit peu. C'est un peu grand à ce niveau-là pour moi. Mais je pense que si je le resserre derrière, ça devrait plus poser de problème. Mais je le trouve très très beau. Regardez les petits détails. Voilà, je le trouve, voilà, il est en maille. Super joli, avec le total look. Je trouve ça très chic pour le soir. Alors, autre forme très tendance pour cette saison, il s'agit du top côtelé. Je vous montre la matière, voilà. Du top côtelé à encolure cœur. Bon, je le trouve très 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 joli. Regardez devant, il est comme ça. On peut le porter sur quelque chose d'un peu plus serré. Moi, j'aime bien le rentrer. Alors, pour moi, qui n'ai vraiment pas beaucoup de poitrine, il faudrait peut-être que je mette un petit push-up en dessous pour que ce soit plus joli. Mais sinon, je le trouve vraiment super super réussi. La matière, pareil, est top. Très belle qualité. Franchement, je n'ai acheté que des choses où je suis hyper agréablement surprise en termes de qualité. Alors là, je le porte avec un jean Zara que je vous montrerai dans un prochain haul Zara, certainement la semaine prochaine. Et voilà, moi je le trouve très très chouette. Alors pour les soirées d'été un peu plus fraîches, c'est pas mal parce qu'il est un tout petit peu plus épais qu'un t-shirt à manches longues et à la fois pas aussi chaud non plus qu'un sweatshirt ou qu'un pull. Donc c'est un bon compromis pour les soirées un peu plus fraîches. Autre petite trouvaille rigolote, il s'agit du sac coquillage. Alors il est en, je sais pas, c'est une sorte de vinyle, souple quand on appuie dessus, mais qui se tient quand même bien. Et je le trouve très mignon. Alors évidemment, j'aurais bien aimé avoir le Chanel, mais il est très compliqué à trouver et surtout beaucoup plus cher, parce que celui-ci coûte la modique somme de 5 €, me semble-t-il. Donc ça ne valait vraiment pas le coup de s'en priver. Alors, on passe maintenant au bikini. J'avais envie d'un bikini un peu fluo, un peu néon, comme on fait cette année. Et tous les bikinis, donc les trois bikinis que je vais vous montrer, sont tous à moins de 10 €. Celui-là, je le trouvais très joli. Bon, alors soyez indulgents parce que je ne suis pas bronzée. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous montrer comment il est. Donc, vous voyez, il n'est pas... vous pouvez le monter plus haut selon votre morphologie ou le garder un peu plus bas. Il n'est pas string, il est tanga. Et voilà comment il est. Donc en derrière, sur le haut, vous voyez, c'est plus fin. Et il est très agréable à porter. Il est un petit peu, il y a un peu de rembourrage au niveau de la poitrine, mais vous pouvez les retirer si ça ne vous convient pas. Moi, ça me va bien. Donc voilà le maillot de bain vert. Je trouve canon.
Alors voici le deuxième maillot de bain, celui-ci, je vous montre de plus près, est en espèce de velours. J'avais envie de velours, d'éponge et je trouvais la couleur très jolie. Il y a plusieurs coloris, je crois qu'il existe aussi en doré, il est très très beau en beige doré comme ça. Et là c'est plutôt la version marron. Alors comme dans tous les vêtements que j'ai pris chez AliExpress, j'ai toujours pris la plus petite taille et tout convient très très bien. Donc voilà, pareil le maillot de bain, pas string, mais quand même assez échancré sur les fesses. Il est aussi rembourré, un peu push-up, et il s'attache à l'arrière de manière très classique. Donc voilà le rendu du maillot de bain. Moi je le trouve très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve... Il faudrait muscler un peu plus, mais... Je le trouve très réussi. Encore une fois, pour un ensemble maillot de bain à moins de 10 euros, je crois que c'est dans les 7 euros, franchement, c'est juste parfait. Et voici donc le dernier bikini. Non, je ne l'ai pas mis à l'envers, comme certaines me l'ont dit sur Instagram. Voilà, c'est un maillot de bain qui est fait exprès. Voilà, pour se porter de cette manière-là. C'est la forme, vraiment la grande tendance de cette année. On en trouve plein chez Etam, un peu partout. Mais forcément, ils sont plus chers. Là, pareil, c'était moins de 10 euros l'ensemble. Derrière, il est pareil, un peu échancré. Et vous pouvez le resserrer au niveau des hanches avec cette petite ficelle. Le porter plus haut, plus bas, c'est vraiment à votre convenance. Mais la qualité est très belle aussi, d'ailleurs, comme les deux autres. Et il est super confortable. Voilà le rendu. Je trouve très 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 joli. Voilà, il existe aussi en plusieurs couleurs. Il y a un très joli vert, un peu vert foncé qui est magnifique. Je crois qu'il y a aussi du violet. Enfin voilà, moi je l'ai pris en noir classique. Ça me va très bien. Alors, dernière pièce AliExpress dont j'avais super envie de vous parler. Il s'agit des dates sandales inspiration Chanel. Alors, ce n'est pas le logo Chanel, mais voilà, elles sont très bien faites, très confortables. Franchement, pour 13 euros, elles font vraiment le job, puisqu'elles sont 100 fois moins chères que les Chanel. Je ne suis pas sûre que j'aurais envie de les porter pendant plusieurs étés, ça m'embêtait de mettre ce prix-là dans des Chanel, mais à ce prix-là, forcément, à 13 euros, c'est parfait. Alors, les voilà portées. Elles sont vraiment très confortables. Je vous conseille de prendre une taille au-dessus par rapport à la taille que vous faites d'habitude. Et elles sont vraiment nickel, nickel, nickel. Elles tiennent bien aux pieds. La qualité est top. J'en ai des noires que j'avais achetées chez Shein l'année dernière qui étaient beaucoup moins bien que ça. Et elles vont très bien faire le job pour cet été. Je suis ravie. Voilà, avec un jean, je trouve ça super joli aussi. Voilà, un jean et un petit top type gilet. Alors voilà, c'était ma vidéo haul et try-on spécial mode de chez AliExpress. Honnêtement, avec le recul, je trouve que toutes les pièces que j'ai commandées sont de très belle qualité. Je ne suis pas du tout déçue, au contraire, je suis même très très agréablement surprise. Ben voilà, dites-moi si vous avez commandé des choses que vous adorez aussi sur AliExpress. Encore une fois, il ne faut pas commander de contrefaçon, ce n'est pas bien, ce n'est pas éthique et en même temps, vous risquez d'avoir de gros 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 ennuis. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si elle vous a plu, bien évidemment, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.